Merci de cette invitation. Explique ce que. Déjà avant de descendre dans le trou, on va regarder ce qui se passe en surface. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez là dans cette zone abandonnée? Qu'est-ce que vous observez là? Des herbes, des arbres. Des arbres. D'accord. Des arbres. Ça nous indique quoi ça, des arbres? C'est-à-dire à votre avis, si je le laisse comme ça, ce terrain, il va devenir quoi? Une forêt. D'accord. Donc ça veut dire que ici, je suis dans une zone climax forestière. Donc, dès que je commence à faire un jardin, je ne suis plus dans l'équilibre climax. Donc, je vais perturber l'équilibre naturel. C'est l'équilibre naturel, lui, il veut faire de la forêt, il ne veut rien faire d'autre. Donc, toute intervention de maraîchère sera une intervention contre l'équilibre naturel qui est la forêt. Donc, il faut le savoir, c'est-à-dire que toute intervention... Ici, hein? Chez nous. On serait dans d'autres zones, on serait en Ukraine dans les zones de steppe, on n'aurait que de l'herbe, hein, ça dépend des... Mais ici, on est dans les zones forêt. Donc, il faut savoir que toute intervention va contre cet équilibre climax. Déjà, première règle, il faudra quand même garder un minimum d'arbres dans votre zone si vous ne voulez pas vous éloigner trop du climax, parce que plus vous allez vous en éloigner, plus vous allez lutter, plus ce sera fatigant. Plus ça... hein, c'est quand même une chose à savoir. D'ailleurs, en fait, vous en mettez. Oui. Et là, beaucoup de gens, on le voit, il y a une déforestation massive. On vit l'arbre comme quelque chose qui gêne, alors que l'arbre n'est pas du tout n'est pas un facteur gênant. Simplement, bon, on revoit... à l'heure actuelle, ce qu'on appelle l'agroforesterie, on a l'impression qu'on vient de réinventer le fil à couper le beurre. Il y a très longtemps que ça existe et les gens qui travaillaient là-dessus cohabitaient avec les arbres qui étaient bon, gérés d'une manière pour ne pas faire de l'ombre, mis dans une certaine direction, nord-sud. Mais en fait, l'arbre est indispensable dans notre région, dans nos régions, pour l'équilibre du sol et pour la gestion de l'eau. C'est hyper important parce que vous verrez, l'arbre, c'est lui qui vous remplit les nappes phréatiques. Donc tout couper, et c'est le drame à l'heure actuelle, on coupe de plus en plus, on déforeste de plus en plus, et on ne comprend pas pourquoi on a des problèmes dus à l'eau. Donc si vous voulez planter des arbres, enfin si vous, par exemple, vous voulez faire des haies, vous avez déjà intérêt à prendre tous ces arbres qui ont poussé spontanément, Acerbe pseudoplatanus, vous voyez, vous avez pas mal d'érables, vous avez des frênes, vous avez des noyers, il y a un peu de tout. Bon. Commencez déjà par prendre ces plantes-là parce qu'elles vous garantissent qu'elles pousseront bien. Elles sont dans leur milieu. Vous avez en plus des plantes un peu indicatrices comme les épilobes qui vous indiquent qu'on est dans un milieu qui est plutôt frais. Donc ici, vous avez des chances de pouvoir faire du maraîchage sans trop arroser. Donc, ce qui est intéressant pour le maraîcher parce que la corvée d'arrosage, elle n'est pas très drôle. Hein. Ensuite, tu décris ce qu'on fait quand on arrive sur un sol. Alors bon, ben, quand on arrive, ben déjà là c'est un parti abandonné, mais quand on arrive chez un maraîcher ou un céréalier, enfin chez un agriculteur, on va marcher sur le terrain. Bon là ça a été un peu piétiné pour faire le trou, mais on va se déplacer et on va déjà essayer de voir la sensation qu'on a en marchant. Donc en fait, quand on a un sol qui est vivant, on a une impression d'une souplesse un peu comme si on marchait en forêt. Donc ça veut dire que là, on a un sol qui n'est pas compacté, qui respire. Une autre chose, nous, on travaille énormément avec nos sens. Hein. On va sentir le sol. Donc on va le prendre et on va, normalement... On va le sentir. Bon, vous avez des sols qui ne sentent rien du tout. Vous avez des sols qui sentent, on dit, la forêt, les champignons. Donc ça peut déjà donner un signe qu'on a un sol qui va être vivant et on le retrouvera dans l'analyse au laboratoire. Quand on va toucher le sol, on va avoir tout de suite une perception de sa structure. Vous voyez là, c'est un sol qui est hyper grumeleux, qui va faire des structures rondes. La vie fait toujours des structures rondes. La mort, entre guillemets, un sol qui n'est pas vivant, va vous faire des structures géométriques. C'est-à-dire que quand vous allez le défaire, en fait, ça va vous faire comme des petits cubes. De plus en plus des osselets, et même quand on le regarde au microscope, on aura toujours cette structure là alors qu'un sol qui est vivant, on aura toujours une structure ronde. La vie fait la rondeur. Quand on est dans l'inverse, et bien on va être sur des structures géométriques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a un sol qui est vivant, on a de la faune va faire des galeries, et en fait elle fait un sol grumeleux. Nous, on dit que ça fait du couscous. Donc ça, c'est déjà la première chose. On l'a senti, les pieds, le toucher, on va la regarder aussi. Bon, dans un sol, ici on est dans un sol de jardin, en surface on a un sol qui va être quand même assez sombre, ben oui, parce qu'il est riche en matière organique. Vous avez des sols qui sont
bon, presque gris ou blanchâtre. Bon, bah, au niveau de la couleur, ça veut dire bon, on a des sols qui vont avoir certainement très très peu de matière organique. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait partout où on va, que ce soit en arboriculture, dans les vignes, en céréaliers, céréaliculture. Et quand on en parle, bah, très souvent, l'agriculteur ou le client dit « Ah ben ça, c'est un truc, je ne l'ai jamais fait. » Et rien que ça, c'est déjà une connaissance de son sol. Puis après, on va dans le profond. Voilà, on va dans le trou. Donc en fait, il n'a pas une odeur très forte. On pouvait s'attendre à une odeur très marquée avec sa couleur noire. Et en fait, la matière organique ici, elle est plutôt bloquée. Mais là, c'est trop tassé. Mais quand on a marché dans le jardin, là, ça vous paraît, parce que vous êtes en maraîchage, on a quelque chose qui est plus fréquent. Mais je vous assure que vous allez dans des sols de vigne ou dans des sols chez des céréaliers, et quand vous marchez, vous le sentez dans votre colonne vertébrale. C'est tellement dur qu'en fait, on n'a pas cette souplesse. Bon, dans les sols de maraîchage, en général, on n'est pas dans ce cas de figure. Mais rien que ça, ça donne une perception, puis une idée sur ce que ça va être le sol. Parce que si vous avez un sol qui est hyper compacté comme ça, même quand il pleut, eh bien, en fait, l'eau aura beaucoup de mal à rentrer. Elle va rester en surface, elle va asphyxier et elle créera des problèmes après sur le sol. Alors là, Claude, on va nettoyer le sol. Ce qui est très différent dans notre manière, dans notre approche, c'est que on va travailler sur un profil. Vous voyez, on descend, on a demandé que le profil fasse 1 mètre, 1,50 m. Quand on peut, quand c'est fait, les agriculteurs ont une mini-pelle, on peut même aller plus loin. Pourquoi on fait ça ? Par rapport à ce qui est la plupart du temps donné aux agriculteurs et même aux maraîchers. Le maraîcher, le consultant ou la chambre d'agriculture, enfin, ou les gens qui font les analyses, disent ah ben, à la tarière, vous faites un trou avec votre tarière où vous prélevez, du sol et puis vous allez me l'envoyer. Enfin, ils vous font une analyse et puis ils vous disent qu'est-ce qu'il y a dedans ou qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est une totale méconnaissance du sol, de comment un sol va vivre et comment les plantes vont vivre. Parce que là, bon, on a un sol qui est relativement souple, mais quand vous avez un sol qui a du caillou, à la tarière, vous n'irez jamais dans la profondeur. Alors que vos légumes, là, des légumes qui restent, qui restent plusieurs années, c'est évident, et je leur souhaite pour eux, ils ne peuvent pas rester sur une surface de 30 cm, sur une profondeur de 30 cm. Les racines vont le plus loin possible quand le sol le permet. Donc pour nous, le profil est indispensable et nécessaire pour comprendre, c'est pour savoir comment la végétation va explorer le sous-sol. Et les analyses de terre qui sont demandées, même pour des maraîchers, les particuliers, ils seront peut-être moins sensibles à cela, mais on voit des maraîchers, des jeunes qui à l'heure actuelle veulent s'installer pour faire des AMAP ou du maraîchage. Et en fait, on leur donne un petit outil comme ça en leur disant, bon, il vous manque de la potasse, il vous manque pas, vous n'avez pas assez de matière organique, il faudra mettre du compost. Mais en fait, il n'y a pas du tout la connaissance du sol. Et un sol, quand on l'aura déterminé, analysé, eh bien aussi, il va nous donner, nous on dit que c'est un livre, il va nous donner quel va être le produit phare, même en maraîchage par exemple, ou pour un céréalier, quelle est la meilleure graine, la meilleure semence, la meilleure céréale, ou pour un maraîcher, quel va être le produit phare que ce sol va pouvoir donner. Donc là, au niveau du goût, c'est là-dessus qu'on... Bon, il y en aura d'autres, mais il y a des sols, on dit que les sols ont des vocations. Vous voyez, vous avez des sols qui feront d'excellentes asperges, il y a des sols qui feront des tomates meilleures. Et cette connaissance fait qu'en fait, on a une pertinence sur... Même expliquer que ça, c'est vraiment ce qui est le meilleur. Après, on fait d'autres légumes. C'est un peu comme un vigneron, quand il a un grand terroir et qu'il a un sol moins intéressant, il pourra mieux communiquer en disant, oui, là, j'ai mon vin, celui-là, il est meilleur parce qu'il est mieux adapté
que bon, l'autre, où il va être plus sur le fruit, où bah, il va être différent. Et c'est la connaissance d'un profil. Et hélas, on occulte complètement ça, parce que quand on fait une analyse de terre, les multinationales ou les gens savent très bien, les marchands d'engrais et tout, savent très bien qu'en ne faisant qu'une analyse de terre, en fait, on va rendre complètement dépendant le maraîcher, le céréalier, le vigneron. Parce qu'en règle générale, dans 90% des cas, il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Parce qu'en fait, on n'explore que les premiers centimètres. Et en explorant les premiers centimètres, on suppose, le laboratoire suppose que bon, bah, la plante ne vit que sur 30 cm. Quand vous avez des racines, là, on voit les vers de terre qui descendent. On a des racines qui sont beaucoup plus loin. Bah, si vous explorez 70 cm, 1,20 m, bah, votre garde-manger est plus grand. Donc, on met moins de produits et les multinationales ne s'y retrouvent pas. Donc, l'analyse de terre, c'est un vol pour les agriculteurs et c'est un vol pour le monde agricole. Et ça, il faut se battre contre ces analyses de terre. Donc, en fait, excusez-moi, ils seront dépendants de ce qui va manquer dans le sol. Oui, parce qu'en général, quand vous êtes sur une surface, bon, ici, on a beaucoup de... Bon, là, il faudrait voir. Mais effectivement, en général, la surface en surface, c'est là où les graines, où les plants, les graines germent et en fait consomment très très vite. Ben. Mais après, quand les racines peuvent descendre en profondeur, si elles peuvent descendre en profondeur, l'avantage de faire un profil comme ça, c'est si ça ne descend pas, c'est de comprendre pourquoi ça ne descend pas. Et de dire, ben, ça ne descend pas, eh ben, vous en remettez. Mais pourquoi ça ne descend pas? Est-ce que c'est parce que la plante n'est pas bien appropriée? Est-ce que c'est parce qu'on a de l'eau? Est-ce que c'est parce que le sol est trop calcaire? Est-ce que c'est, en fait, en ayant la réponse, on peut y remédier, soit en mettant du compost, soit en travaillant, soit en mettant d'autres produits, plutôt que d'être toujours en train de gaver le sol en surface. Et si vos racines ne descendent pas, vous avez toujours un enracinement superficiel. Donc la plante va être dépendante du soleil, de la climatologie. Quand il fait trop sec, on irrigue, on augmente l'irrigation dans le monde, incroyable. Et ça, et c'est vrai qu'en règle générale, c'est très rare qu'on dise à un agriculteur ou à un maraîcher, vous avez assez. Votre terre est magnifique, vous avez assez. Cultivez bien, en général, ah ben mettez un peu de compost, ah ben mettez, voilà. On bricole, quoi. C'est vrai que c'est un peu même pas très normal de trouver les mêmes graines vendues du nord au sud et de l'est à l'ouest, de la France ou n'importe où. C'est les mêmes graines pour n'importe quel type de sol, on s'en fout, on leur vend. Exactement. Mais moi, nous, on parle, quand on a dit ça, les gens, ça les a fait rire, mais je trouve qu'on le défend avec Claude, cette notion de vocation des sols. Ouais, la France était un jardin, et quand vous regardez les anciens livres, nous, on puise énormément de connaissances qu'on réapplique et qu'on modernise, parce que les gens, des fois, disent, mais les bourguignons, vous voulez revenir à l'âge de pierre. Non, les anciens n'avaient pas nos moyens. Et en fait, amener sur la table des produits de meilleure qualité que ce qu'on amène. Et en fait, quand on regarde, on parlait de la fraise de Bougastel, les asperges de certains endroits, les carottes nantaises. Ça voulait dire on attribuait une région à un produit. Donc on parle bien de vocation. Bien évidemment. Hein, on parlait du port de Bigorre. On parle de fraises de Bougastel, elles sont sous serre, elles ne sont plus du tout de Bougastel puisqu'on va les mettre ailleurs. Donc je suis assez d'accord avec vous, il y avait certaines, même au niveau des pommes, des légumes, il y avait des légumes qui étaient plus appropriés dans certaines régions par rapport à d'autres parce que c'était lié au type de sol qu'on avait. Les humains sont comme ça, il y en a qui disent là-bas ils sont calmes, là-bas ils sont énervés, là-bas voilà. Voilà. Donc on le retrouve dans les fruits et les légumes aussi forcément. Oui. Alors là, la faune. Oui, vous voyez, là, on a nettoyé quand même, je sais pas, 1,50 m de sol. Vous n'avez pas trouvé grand-chose. Hein. Un ver anisique, 2-3 vers épigés. C'est assez étonnant pour une quantité de matière organique comme ça d'avoir aussi peu de faune. Hein. C'est pas, on est dans un sol. Alors ça, c'est vraiment, ça a été apporté par l'homme. Hein. C'est vraiment un sol anthropique. C'est plein de bulles vertes, c'est plein d'éléments apportés. Donc je pense que c'est une histoire maraîchère ancienne. Avec des dépôts de gadoue urbaine, etc. Et puis c'est une matière organique qui est, regardée comme ça, vu le peu de faune qu'il y a, qui est en déséquilibre par rapport à... pour moi, il y a trop de matière organique par rapport au type de sol que c'est. C'est-à-dire qu'on est sur un sol sablo-limoneux qui n'est pas capable de digérer les grosses quantités de matière organique. On lui en a mis trop. Résultat, bon, là... C'est un allobophora, le blanc, ouais. Le vert. Ouais. Depuis qu'il est on a plusieurs variétés de...
plusieurs types de vers là. Depuis qu'il est au repos, on voit que la faune commence à mélanger, vous voyez, commence à mélanger la partie noire bloquée qui est assez bloquée ici. Et ici c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus de porosité en profondeur, c'est beaucoup, le sol là, est beaucoup plus beau ici que là. Là on l'a un peu intoxiqué par des excès de matière organique, c'est des apports trop élevés par rapport à ce que le sol était capable de contenir. Et les résidus d'engrais qu'il y avait avant, c'était un champ de maïs il me semble, il n'y a pas de durée de rémanence là-dessus? Non, je pense que c'était plus des maraîchers qui en mettaient trop parce qu'ils avaient les gadoues urbaines, ils en balançaient. Si vous voulez, en fait, un sol pour qu'il fonctionne bien, il faut que la quantité de matière organique que vous apportez soit en équilibre avec la quantité d'argile. C'est-à-dire, il faut que la capacité d'échange en cation des argiles soit en équilibre avec celle de matière organique. Si vous mettez trop de matière organique sur un sol sableux ou sur un sol limoneux, vous allez créer des blocages et vous allez voir donc une matière organique, vous voyez, qui fait une ligne noire et qui n'arrive pas bien à se mélanger. Alors depuis que c'est abandonné, la faune commence, hein, commence à faire des descentes, vous voyez, des descentes de matière noire. Et c'est beaucoup plus joli. Si vous vous approchez, hein, vous viendrez voir le profil. La petite galerie, c'est très aérée, mais là c'est plutôt pris en masse, quelque chose de un peu massif, les structures ne sont pas très jolies pour un taux de matière organique comme ça, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Et on voit que c'est quand même, c'est une matière organique qui n'est pas très active. Hein. Faut pas tellement compter sur elle pour nourrir vos légumes. C'est-à-dire, faut pas que vous disiez, qu'il n'y a que dans nos climats, 3% de la matière organique, ça minéralise chaque année. Donc on pourrait se dire, 3%, j'ai 10, tu as vu, c'est beaucoup plus beau, la structure se défait beaucoup plus vite au fond. C'est magnifique le fond, alors que là c'est plus pris en masse. Donc faut pas vous dire ici on doit avoir au moins 15% de matière organique, dire j'ai 15% et ça me reste 3%, ça me libère tant d'azote. Vous pouvez pas faire ce calcul là, c'est matière organique et fossilisée là, qui est un peu comme du charbon. Elle est prise en masse, donc faut pas la considérer comme. C'est-à-dire qu'ici ils auraient dû, comme on est sur des terrains légers, ils auraient dû amender en même temps qu'ils apportaient la matière organique, ils auraient dû apporter des argiles, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que peut-être qu'il n'y avait pas d'argile dans le secteur. Moi, je ne sais pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas amendé leur sol. Hein, mais les hommes, quand ils font du maraîchage, en général, on amende. C'est qu'à Nantes, sur les terres lourdes argileuses de Nantes, ils ont apporté du sable pour pouvoir faire les fameuses... pour trouver un équilibre. Donc ici, ils ont apporté beaucoup de matière organique sur un sol qui n'est pas... C'est embêtant, parce que c'est polluant, ça. C'est polluant parce que si votre matière organique n'est pas fixée, si les humus ne sont pas fixés par l'argile, ils vont migrer dans le profil, ils vont créer des précipitations, ils vont emmener de l'azote dans les nappes. Donc ici, faites gaffe, ici, il ne faut pas aller trop loin, trop fort en matière organique. Parce que c'est des sols trop légers. C'est un sol qui n'est pas lourd, hein, ce sol. Hein. Par contre, pour le maraîchage, il est sympa. Bon, il a un petit ennui pour les carottes, enfin pour les salsifis, c'est qu'il y a beaucoup de petits galets roulés. Donc ça va déformer, ça va vous faire tordre un peu les racines, mais bon, c'est pas. C'est pas bien grave, hein. On est sur un ancien dépôt, enfin tout ça c'est du dépôt de rivière, hein. Je ne sais pas comment on est situé géologiquement, mais tout ça c'est des petits galets roulés qu'on fait. Tu veux les gants? Là on voit de la racine, vous voyez, elles descendent bas les racines. Hein. Vous voyez là, les racines, c'est aussi les vers de terre ou la faune vont préparer le chemin pour les racines. Donc quand on a un sol qui est trop compacté, il n'y a pas de porosité. C'est quand même pas compacté comme dans certains endroits. En fait, on a les galeries faites par les vers de terre. C'est une faune qui fait des galeries qui vont du bas vers la hauteur. Le vers de terre, c'est vraiment des galeries verticales. Bien, vous pouvez regarder, presque tout le temps, en fait, on retrouve des racines qui prennent le chemin qu'a fait le ver de terre. Donc en fait, ça permet aux plantes de pouvoir s'enraciner très très profond. Et au niveau de la qualité des fruits, quand on parle de notion de terroir, c'est là on en a l'explication. Parce que quand on est dans un sol comme ça, la matière organique, très souvent, quand on ramène du compost, c'est assez identique quand on travaille, quand on fait des analyses, nous on en a fait beaucoup. On a peu de différences, il y a des différences, mais il y a peu de différences sur la surface, puisque le compost, surtout en maraîchage, c'est une décomposition de matériel végétal et de matériel animal qu'on va faire chauffer et ça fera un compost. Par contre, au fond, c'est vraiment l'histoire du sol. Ici, on est. On a un sol sableau-argileux, il est propre à cette région. En Bourgogne, ça va être un argilo-calcaire. Dans d'autres endroits, ça va être du granit ou d'autres choses. Et en fait, le terroir, la composition des roches, elle est
quand c'est en profondeur, c'est vraiment l'histoire. Quand vous avez des racines qui vont aller jusqu'au fond, les racines, avec un processus chimique, elles vont solubiliser les éléments de la profondeur, des cailloux ou des argiles, et en fonction de la composition du fond, ça sera repassé à la plante. Donc vous allez avoir quelque chose qui va avoir le goût de votre terroir. Quand vous êtes en culture hors sol, ou que vos racines ne vont que jusque-là, et qu'on met des solutions nutritives, toute l'histoire de la culture hors sol, on dit, Claude en dit toujours, c'est de la tomate, c'est rouge, ça ressemble à une tomate, mais ça n'a pas le goût de tomate, ou elles sont toutes identiques quand c'est en hors sol, parce qu'en fait, le mot est clair, hein, hors sol. Donc on donne le même produit à tout le monde. C'est comme si vous, tous les jours et toute là, comme vous êtes, eh ben vous prenez exactement la même chose. Ben, il y a un moment, je ne sais pas si on s'uniformiserait, mais pour les plantes, c'est pareil. Alors quand les racines vont jusque là, vous vous rendez compte, il y avait une racine, là on a encore des racines qui sont à un mètre, eh bien elles utilisent le terroir, ce qui est dans la profondeur, dans l'histoire, d'où cette notion de qualité d'aliments. Et on est en train de perdre ça, parce que quand on fait des profils, eh bien, les plantes ne vont plus, n'explorent plus la profondeur, et elles sont gavées d'une fertilisation qui est la même pour tout le monde. Et on va revenir, les multinationales, les grosses boîtes vont vous dire, vous avez besoin de produits. Et en plus, comme on donne des produits solubles, puisque la plante, les racines ne peuvent consommer qu'un produit soluble, hein, des agneaux. Comme c'est toujours les mêmes et que c'est gavé, c'est comme vous, vous prenez un morceau de sucre en morceaux ou il va falloir le croquer et tout, vous allez mettre plus de temps que du sucre glace ou qu'une solution sucrée. Eh bien, quand on met ça en solution, c'est la plante va le prendre immédiatement parce que c'est tellement facile. Donc, elle ne fera pas d'effort, elle ne va pas faire la fatigue d'aller chercher là-bas au fond puisqu'il va falloir solubiliser, ça va lui demander de l'énergie. Ça va lui demander en fait un coût. Donc plus on fertilise, moins on va faire que la plante va s'enraciner, moins on va donner même de force à la plante, puisque de toute façon, on la gave, on lui donne de l'eau, on lui donne ces produits-là. Et ça, c'est hélas, c'est la nouvelle agriculture. Vous pouvez remarquer que les racines sont dans la partie noire, vous voyez, elles sont complètement tordues, complètement, elles ont un passage extrêmement... On voit qu'elles sont très très perturbées, elles ont vraiment du mal à explorer. Alors que dès que vous descendez, c'est la racine bien droite, correctement équilibrée, elles sont beaucoup plus heureuses là que là. Bon, il faut vous dire qu'à une époque, ils ont travaillé très profond. Vous voyez, ça, le travail horizontal, là, c'est dû à l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé du fond avec du dessus. C'est pour ça que vous avez du brun qui se retrouve au-dessus du noir. Donc ça veut dire que quand même, à une époque, les gars, ils défonçaient quand même jusqu'à 40. Hein, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Alors est-ce que c'est la culture de maïs d'avant? Le type est arrivé avec une grosse machine, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça arrange pas les choses. Hein. Plus vous travaillez profond, plus... Comment ? On peut utiliser un engrais vert, justement, type de la luzerne, avec les 3-4 ans pour... Alors, luzerne, ça m'a pas l'air d'être calcaire comme terrain. Enfin, j'ai pas d'analyse, mais il m'a pas l'air d'être calcaire, ce terrain. Vous l'avez étudié, il est calcaire ou pas ? Si, il est calcaire. Si, il est calcaire ? Il est calcaire, donc on peut mettre de la luzerne. Mais c'est sûr que ça aurait besoin d'être là, c'est vraiment... C'est vraiment pris en masse, quoi. C'est dommage, hein, parce que le dessous est magnifique, lui, par contre. Il est très, très beau. Oui, parce que quand on enfonce le... C'est beaucoup plus dur quand on enfonce le couteau, incroyable. Si quelqu'un veut, alors que là... Là, ça rentre tout seul, quoi. On rentre, alors que ça paraît... Bon, sauf quand on est sur les galets, mais ça paraît peu logique, parce que quand on est en profondeur, on pense que le sol est beaucoup plus compact, et en fait, c'est ici qu'il est beaucoup plus dur. On a du mal, bon, on rentre le couteau, mais... Bah, ici, il faut quand même travailler, enfin, vous êtes quand même obligé de travailler à la grelinette, hein, ce genre de choses, parce que ça, il faut le soulever. Hein. Ça, on a fait, on a décompacté... Ah, ouais. À la route d'Aix et à la Grunette, ça c'est... Mais est-ce que c'est un... Ça redemande qu'à se reprécipiter, ça, c'est ça le problème. C'est que dès qu'il pleut, boum, il reprend en masse. Ouais. Sauf si vous remettez de l'argile, alors là vous arriverez à le... Ouais. Mais on le sent, elle est là, ta semelle de labour, il y a quelqu'un qui a... Elle est là. Je pense que c'est le gars, quand il a fait son maïs, il a dû prendre un bon gros tracteur et puis il a bien bétonné, il n'a pas amélioré les choses, quoi. Mais ici, du fait qu'il y a cet excès de matière organique par rapport au complexe argile, ça prend toujours en masse, quoi. Si vous voulez qu'il devienne souple, il faut rajouter de l'argile dans ce type de terrain. Comment on fait? Bah, vous pouvez enrober vos graines à l'argile, hein. Vous faites la méthode de Fukuoka. Ben hein. Voilà. Faites de l'enrobage pas, à l'argile. Pas trop de l'argile mais... Non. Vous mettez à chaque graine pour qu'elle démarre, vous l'aérez. Oui, dans... on la voit nous. Ah, il y a une belle semelle. Regardez là. En fait, elle est là. Là.
ça se défait complètement dessous. Et puis au-dessus, c'est du béton. Et là, au-dessus, elle est dure. Et en fait, elle est là. On la voit bien. Hein. Donc, cet horizon qui a été compacté, bon, soit par le travail, bon, les apports massifs de matière organique, puis du travail mécanique avec des engins lourds, vous a créé une espèce d'horizon noir là qui est. Curieusement, on pourrait se dire, bon, c'est noir, c'est bon, donc c'est génial pour le maraîchage. En fait, c'est ça votre obstacle, alors que le fond est superbe. Mais le problème qu'on a constaté ici, en faisant juste une observation sur les plantes bioéradicatrices, c'est qu'on a des plantes qui sont, c'est ambigu, soit là, quand il y a un excès d'azote, soit sur des sols trop compactés. En fait, je ne sais pas lequel des deux, là, c'est un peu les deux. Ouais, donc vous devez avoir beaucoup de canopodiacées, beaucoup d'amarantes, des choses comme ça. Des canopodiacées à plus savoir quoi faire, mais surtout du liseron, et une qualité de liseron. Ah oui, le liseron, vous n'avez pas dans la zone. Ah non, non, lui, il est heureux, le liseron là-dedans. Le liseron baobab. Ah, il est heureux parce que là, il a un matériau vachement dur. Il y a de l'azote et c'est dur. Et c'est dur. C'est ça. Ouais. Mais le simple fait de décompacter, ça pourrait déjà aider la chose. Oui, déjà, ça fait du bien. Et puis surtout, il faut que vous essayiez, enfin, les plantes qui sont les plus structurantes dans ce type de terrain, c'est quand même les graminées. C'est-à-dire que quand en hiver, ça fait du bien quand même de balancer des blés. Qu'est-ce qui a fait le trou? Non, mais la personne, c'était simplement, je demande, parce que. Je suppose qu'elle a dû le sentir, elle. C'est-à-dire qu'elle a dû plus peiner là que là. Elle a plus peiné au début qu'à la fin. Je pense. Je suis presque... Parce que vraiment, à la fin... À la fin, c'est magnifique. Hein, regardez, le dessus du sol est... C'était fait à la pelleteuse, elle n'a pas trop peiné. Ah bon, ça a été fait à la pelleteuse. Donc là, il n'a pas senti. Là, il n'a pas senti. Mais ça, c'est le genre de choses que vous voyez souvent. Comment ? Le genre de sol dur au-dessus. Alors... Ah oui, ça, c'est très fréquent. Ça, c'est très, très fréquent. Et ça... En général, les sols sont beaucoup plus bousillés là où l'homme intervient. Que là où il n'intervient pas. C'est caractéristique. C'est là, quoi. Alors, est-ce que c'est effectivement la personne qui a fait du maïs? Mais en fait, elle se dessine, il y a des formes, c'est beaucoup plus gros. Et en dessous, bah, c'est beaucoup plus souple que là. On a plus de mal dans cette partie-là, et c'est bien dessiné. Alors, hein. Quand on regarde de près, on voit hein, qu'il y a de la faune qui commence à bosser là-dedans. Donc, on parle de ce qu'on appelle les modes phi en physique du sol, c'est-à-dire qu'on était dans des modes delta complètement bétonnés, pris en masse, et puis depuis que ce sol est au repos, qu'on lui fout la paix, la faune commence à essayer d'aérer ce béton, mais il est dans une grande fragilité, c'est-à-dire qu'un rien, un peu de pluie et tout, boum, il reprend en masse tout de suite, quoi. C'est un sol qui n'est pas du tout, il n'est pas encore régénéré. Et là, c'est vrai que ça ferait du bien. L'idéal, hein, pendant un moment, moi, je vous conseille, de temps en temps, sur une planche, vous la laissez maintenant, là, octobre, vous mettez un blé, un mélange blé, seigle, avoine, pour éclater tout ça. Quoi. Et en fait, on avait fait un couvre-sol de céréales, un mix céréales et trèfle. Et ça va donner quoi? Bah, du pain, parce qu'on a... je sais pas où il est passé, Jonathan. Bon, déjà, le pain... Donc, ça donnait du pain en surface, mais au fond, ça donnait quoi, là? On a du pain, sérieusement, parce que le céréale a été récolté, on a fait du pain. Mais après, le sol, lui, était comment? Bah, en fait... Vous n'avez pas fait attention? Non, il avait l'air bien goûteux. Ouais, en général, c'est les plantes qui vous permettront de mieux, beaucoup mieux qu'une luzerne. Si vous voulez. C'est vraiment avec des graminées hivernales. Alors pourquoi hivernales? Parce que si vous voulez une plante en hiver, elle est capable de traverser des zones dures parce qu'en hiver, c'est humide. Et donc la force de résistance d'une motte au passage d'une racine est extrêmement plus la motte est sèche, plus c'est impossible pour la. Voilà. Mais en hiver, c'est faisable. Donc l'intérêt des céréales d'hiver, type seigle, blé, on le sait qu'il faut le semer plus tôt, faut le semer en septembre. Mais le blé, vous pouvez le semer jusqu'au 15 octobre, presque début novembre. Hein, lui, vous pouvez le semer le plus tard. Quoi. Les avoines, tout ça, ça a l'avantage, c'est qu'eux, ils font énormément de racines. Un blé, c'est jusqu'à 200 km de racines par pied. Donc ça vous fait 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Donc c'est vraiment des plantes éclatantes. Parce que ça, c'est un sol qui a besoin vraiment qu'on le réaère en surface. Hein. Donc ça ferait du bien de commencer par de la céréale d'hiver, hein, pas de la céréale, pas du maïs ou des trucs comme ça. Un pied de blé, c'est 200 km. 200 km de racines, oui. Un pied. Ouais. Donc si vous voulez, ça vous éclate vraiment les terrains. Donc après, vous allez vous retrouver au printemps. Après, c'est vraiment facile, vous arrivez au printemps, vous prenez votre grelinette, vous faites comme ça, vous prenez vos blés, vous les couchez sur le sol et vous plantez vos tomates, vos trucs, à travers le mulch que vous avez couché avec la grelinette. Donc ça va vous laisser une terre d'une souplesse et année après année, ce béton va s'aérer. Quoi. Alors c'est vrai que laisser, ce que vous disiez tout à l'heure, laisser la nature faire, se régénérer, puisque là ça repousse comme elle veut. Quand on travaille avec une céréale, en fait quelque part, comme le jardin c'est nous qui le faisons, de façon naturelle, il n'y a pas de maraîchage. En fait, on accélère le processus de
de redynamisation ou d'avoir un sol qui est en meilleur état que de laisser, en fait, si on laisse la nature faire dans, je sais pas, 30 ans, 40 ans, on aura un sol qui sera, parce que les arbres auront fait leur travail, auront ouvert les porosités, et puis quand on regarde, on pourrait faire un comptage, effectivement, on a différents plans. Alors que la céréale, quand on intervient sur les plates-bandes, et nous on le conseille en hiver, quand il n'y a plus de plates-bandes, plutôt que de laisser bon, cette végétation naturelle, eh bien, d'intervenir avec des céréales, soit un blé d'hiver, soit un triticale, soit comme dit on peut mélanger blé d'hiver avec de la veste. Au printemps, vous avez une structure qui est magnifique. On a régénéré le sol, vous avez une structure magnifique pour planter. Donc, quelque part, on gagne du temps. Si on n'a pas de temps, on laisse la nature. Mais un maraîcher, il ne va jamais dire ça. Il faut qu'il produise. Il n'est pas là pour produire dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont en biodynamie, ce type de sol, il faut absolument lui apporter maintenant, enfin, ou juste avant le semis de la céréale d'hiver, vous lui apportez un 501, vous lui apportez de la silice pour faire rentrer la chaleur, parce que ça, c'est un sol qui va se refroidir pendant l'hiver, du fait qu'il est pris en masse. Donc vous lui mettez de la silice, vous lui mettez du 501 pour le réchauffer, et au printemps, vous commencez par un compost de bouse mariatoune, et 3 semaines après, vous faites un 500. Et ça va le réveiller, ça va l'aider beaucoup à son réveil. Hein, c'est les trois grandes préparations qu'il faut mettre ici. Alors après, vous pouvez passer aux tisanes, mais je dirais que la première opération, moi je ferais 501, mariatoune et 500, voilà. pour réveiller déjà ce sol-là. Après, vous pourrez passer aux tisanes, mais là, il a vraiment besoin qu'on l'aide. Là. Il a vraiment besoin d'être aidé. L'homme l'a saccagé, et c'est, maintenant, on est responsable pour le remettre debout. Hein. Donc, est-ce que le BRF, ça aide ? Alors, c'est sûr que le BRF fera beaucoup de bien, hein, mais il n'y a pas... Ici, vous en mettez qu'une fois, c'est tout, hein. Alors, une fois pour réveiller, après c'est terminé, vous n'en mettez plus ici, hein, y a assez de matière organique. Hein. Alors le BRF, c'est pas le mot est-ce que ça aère, moi je ne le dirais pas comme ça. En fait le BRF c'est déjà, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le BRF, et je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure, parce que vu ce qui se fait avec le BRF, si on continue comme ça, je pense qu'on va avoir plus de problèmes que de bénéfices. Donc le BRF c'est un produit. C'est effectivement du bois raméal, des rameaux qui sont fragmentés et qu'on met en surface. Et c'est pour restaurer un sol. C'est pas un paillage. Et beaucoup de maraîchers prennent le bois raméal fragmenté comme un paillage. On en met beaucoup et soit il n'est pas retiré, on en remet d'année en année. Et en fait, on intoxique un sol. Parce que pour que la faune puisse consommer le bois raméal fragmenté, il lui faut plusieurs années. Le bois raméal fragmenté, c'est pour multiplier les champignons. Donc après, avec le temps, effectivement, quand les champignons vont pousser sur ce bois raméal fragmenté, effectivement, la faune va venir et ce bois va disparaître petit à petit, comme dans la forêt, sous forme de compost. Et alors, la différence avec le mode d'action du blé, c'est complémentaire ? C'est complètement différent. Le BRF, c'est pour relancer les basides demi-secs, les champignons. Oui, le blé, c'est pour l'effet racinaire d'éclatement des mottes. Il y en a un qui est purement mécanique et l'autre qui est la restauration par les champignons. Hein. Voilà, d'accord. C'est complètement différent. C'est deux choses complètement différentes. Mais complémentaire. Tout à fait complémentaire. Mais ici, il ne faut pas en mettre de trop, parce que vous avez déjà beaucoup de matière organique. Hein, donc. C'est complémentaire quand un sol, quand vous avez un sol ici, ça peut faire quelque chose, mais vu la quantité de matière organique que vous avez, nous, on conseillerait beaucoup plus de mettre des céréales. Donc Claude dit, on pourrait, mais c'est plus d'ouvrir la matière organique, vous en avez. Alors que, par exemple, le professeur Lemieux, là, au Canada, a énormément travaillé sur ce bois raméal fragmenté en Afrique, où là, il n'y a pas de matière organique et on est sur des sols, on est sur du béton. Et donc, ce bois raméal fragmenté, en remettant des champignons, la faune revient, le bois se transforme en compost, et à ce moment-là, on restructure, on recrée, entre guillemets, du sol. Et l'erreur, surtout en maraîchage, c'est que les gens, ce professeur au Canada disait, l'a plusieurs fois expliqué, en disant que c'est de la restauration. Quand votre sol est restauré, après vous allez sur le compost. Voilà. Vous n'avez plus besoin de rajouter du bois raméal fragmenté. Alors en maraîchage, on l'utilise en paillage, et le mieux est l'ennemi du bien, parce qu'on voit des boîtes qui sont en train de vendre, en fait, soi-disant du bois raméal fragmenté. C'est du bois qui est
qui est... C'est bon, pas raméal. C'est pas du bois raméal, c'est soit des copeaux. Bois, même s'il n'est pas traité, ou des écorces, il n'est pas du tout... c'est pas son essaim. Et les maraîchers disent c'est du paillage. À ce moment-là, ça n'a rien à voir. C'est pour empêcher, c'est garder l'humidité puis éviter de biner. Mais à ce moment-là, il ne faut pas l'incorporer. Et si vous paillez, ben, il faut l'écarter quand vous ressemez, puis vous le remettez dessus. Mais si vous l'incorporez tous les ans, vous paillez avec ça, il y a un moment, vous allez intoxiquer votre sol. Et là, c'est parce que vous allez, en le travaillant, vous allez enfouir la matière organique. Ce que Claude n'a pas dit, c'est que notre manière de faire et ce qu'on apprend, c'est que le labour ou le travail, s'il y a du bois raméal fragmenté ou du labour, le labour couché, en fait, on prend ça, on retourne et on met la matière organique. On met la matière organique fraîche dans la zone basse. Et là, on fait de l'hydromorphie. On ne peut pas avoir de décomposition du végétal ou de la matière organique en profondeur parce qu'il faut de l'oxygène. Dès que vous êtes à cette profondeur-là, il n'y a plus d'oxygène. Donc, en fait, ça vire, ça n'évolue pas dans le bon sens, pas avec de l'oxygène. Donc, on va avoir des acides, on va avoir de l'ammoniac. Ça va sentir mauvais et dans le pire des cas, on parle de glais. Si vous faites la même chose avec votre bois raméal fragmenté, vous allez en mettre des tout petits bouts sur 10-15 cm, à ce moment-là, vous allez intoxiquer votre sol. Donc, il faut faire très attention au bois raméal fragmenté. Ça peut être un excellent produit, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas bon. C'est valable alors pour des sols peu profonds. Peu profonds, voilà, très très minéralisés, qui n'ont plus de matière organique du tout. Ouais. Ça sert à retaper des sols. En vigne, par exemple. En vigne, les sols qui ont été désherbés pendant des années, etc. En arboriculture, on a. Mais ici, il faut y aller doucement, parce que matière organique, il y en a ici. Pardon ? Les collines calcaires pauvres. Voilà, c'est ça. Sur les sols argilo-calcaires très supérieurs, dont il ne reste plus que ça, parce que l'homme a fait partir toute la terre. Bon, ben là, ça permet de booster le système et de le relancer. Quoi. Ici, on ne peut pas dire que c'est un sol pauvre en matière organique. Enfin. Ah, il y a ce qu'il faut ici. Hein. Il faut plutôt y aller cool, quoi, parce qu'il a quand même été suramendé. Ils ont apporté trop de matière organique par rapport à ce que ce sol était capable de gérer. Il est en phase d'indigestion en ce moment, ce sol. Hein. On a besoin de l'aider à digérer. Quoi. Il est comme quelqu'un qui a bouffé trop de barbac ou trop de. Il rôte là en ce moment. Et donc, je veux dire, ouais. C'est-à-dire que quand vous mettez du compost ici, apportez de l'argile en même temps que le compost, chaque fois que vous faites un compost toujours, ici, vous mettez au moins 10% d'argile pour que le système puisse tourner. Quoi. Parce que l'argile est en dessous, donc on pourrait dire on en fait. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant que ça. Hein. Oh non, c'est argileux, mais il est plus limon qu'argileux, votre sol. Là, hein. Oui, on ne fait pas le boudin. C'est plus un limon. Il n'est pas dramatiquement argileux. Enfin, vous êtes sur une bonne terre de maraîchage, là. Hein. À part, je vous dis, les galets qui tordent un peu les salsifis. Mais vous savez comment... vous voyez qu'un sol est très argileux. Vous connaissez tous le test, là. Hein? Non? Non? Donc, on va prendre au fond, on va prendre la terre. Bon, là, elle est humide. Hein. Alors... Tu veux des gants pour le faire, non? Non, bah non, moi, je me laverai les mains après. Donc, on va la prendre comme ça. Et quand on arrive à faire... Voilà. On essaie de faire, vous voyez, je vais faire une comme un chips, vous voyez. Donc là, on va dire, on a 15%, entre 10 et 15% d'argile. Puis si on essaie de faire le truc, on sera et un après, peu plus. Et après, pour voir si on en a plus, et à ce moment-là, en terre de maraîchage, ça va être plus compliqué. Vous allez prendre, il faut le mouiller un petit peu, là c'est humide, et puis vous allez, ce qu'on appelle le test du boudin. Donc vous allez la prendre comme ça. Et là, on a plus que 15. On a plus que 15. Et il faut faire un anneau. Et normalement, l'anneau ne doit pas se casser. Vous voyez, il se casse légèrement quand on a beaucoup d'argile. À ce moment-là, on est, je pense qu'on est entre 20-30% d'argile. Quand on fait vraiment l'anneau, on est au-dessus. Donc ça, c'est un test de terrain que vous pouvez faire facilement. Et ça vous donne votre sensation. Si vous avez un sol qui est limoneux, qui donne quand on le touche cette impression de pâte, vous pourrez pas faire le boudin. C'est-à-dire que quand vous allez l'arrondir, le limon va casser. Alors que quand on a de l'argile, ben, les potiers, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'ils font. Hein, ils vous font autrefois, je me rappelle plus, c'était le colombin. On faisait des vases en faisant des anneaux qu'on mettait les uns, quand ils ne connaissaient pas le tour du potier, en fait, on faisait des pots avec ce système-là.
On faisait un boudin, on l'écrasait, on en remettait un au-dessus, et ainsi de suite. Avec un limon, vous ne pouvez pas le faire. Puis si on prend le dessus, par contre, vous voyez, là, je prends le dessus, puis j'essaye de faire rien du tout. Voilà, trop vous avez sable. Vu la différence. Trop de sable, parce que c'était des apports de gadoue urbaine avec beaucoup de sable dedans. Donc je suis dans un gros déséquilibre entre une matière organique très très noire et un milieu de beaucoup trop sableux où ça tombe en... Donc, ce qui fait que la terre idéale pour le maraîchage, hein, c'est 20% d'argile, 30% de limon, 30% de sable. Je pense que vous y êtes à peu près ici. C'est à peu près dans la terre franche. Donc c'est la terre de rêve du maraîcher. Mais ils ont été un peu trop forts en matière organique pendant. Puis ça s'est pas fait en un an, ça. Hein. Je pense que c'est une longue histoire maraîchère pour arriver à des couleurs noires comme ça. Sur 40 cm, ils ont dû. Puis après, les gadoux ont évolué au 19e. Hein. Il y a eu de plus en plus de produits de synthèse dedans, des déchets de l'industrie. Des, bon, c'était plus qu'autrefois, au 18e, on paillait, Strasbourg était paillé. Hein, c'est que les paysans arrivaient, foutaient la paille dans les rues. On avait ce qu'on appelait l'eau du pavé. Hein, les pavés étaient bombés avec trucs de chaque côté. L'eau du pavé était réservée aux aristocrates parce que les gens jetaient les pots de chambre par la fenêtre. Et donc, il y avait qu'au milieu du pavé qu'on ne se prenait pas les excréments sur la figure. Donc ça, c'était réservé aux aristocrates. Puis le peuple, il se mettait toujours des capuches ou des grands chapeaux pour ne pas prendre tout dans la figure. Puis après, on ramassait les pailles et puis on les mettait on les mettait là. Voilà, tu vois, tu trouves... Il y a du verre et tout, donc c'est vraiment... nous, on fait attention, hein, parce qu'il y a... Et puis petit à petit, ils ont arrêté de pailler parce que bon, à partir du moment où on a inventé le tout à l'égout, c'est évident que les gars, on leur a demandé d'arrêter d'amener la paille dans les rues. En fait, on les traite en torillon de batterie, les habitants des villes, jusqu'au 19e. Et puis quand on a inventé le tout à l'égout, on ne pouvait plus avoir du paillage. Donc les gadoux ont énormément évolué, c'est devenu des choses avec beaucoup plus de matière industrielle dedans, à partir de la fin du 19e. Donc beaucoup de bouts de verre, beaucoup d'assiettes cassées, de tout comme ça, donc ça a un peu évolué. Et là, d'ailleurs on le sent, le bruit que fait le couteau, vous sentez que c'est très sableux, hein, il y a un bruit, ça crougnoute comme on dit. Hein, oui, mais enfin, il n'y a pas dans le fond. Il y a des morceaux de briques et tout. Ouais. Alors là, Claude parle des goûts, ce qui est dramatique, c'est que, en fait, on a aussi énormément considéré les agriculteurs comme un peu la poubelle de tout, hein, puisque dans certains domaines, on a même vendu les boues parisiennes, soi-disant pour lutter contre l'érosion. Et les déchets des industries, hein, les scories par exemple, ou certains autres produits, on a dit, ça va être bon pour les sols. Donc pendant longtemps, on a considéré le sol, soi-disant pour le fertiliser, comme une poubelle. C'est-à-dire c'était les déchets des industries, c'était nos déchets qu'on a mis sur le sol. Or, le sol, c'est pas une poubelle. Il est pas, sa loi, c'est pas de recevoir la merde de nos industries et de nous. Parce qu'en fait, là, on le voit, il y a plusieurs endroits, ben, on retrouve, c'est intact, quoi. Et vous avez dans certaines régions viticoles, vous retrouvez, mais c'est dramatique, on retrouve du plastique, des jouets, des seringues, des sacs bleus en pagaille. Le sol, il détoxifie pas et ça pousse pas. Et après, ça, il y a d'autres, il y a des problèmes de maladies, il y a d'autres choses qui s'installent. Qu'est-ce que vous pensez des charbons de bois du type terra preta? Bah, terra preta chez nos régions, surtout pas. Hein. On est dans une région où la matière organique a tendance à trop s'accumuler. Hein, pour vous donner une idée, une forêt chez nous, c'est 50% du carbone dans le sol, 50% dans la forêt. En Amazonie, c'est moins de 5% du carbone dans le sol et 95% dans la forêt. Donc mettre du charbon de bois en Amazonie dans les terra preta, ce qu'on définit et ce qu'on fait les Indiens, est tout à fait logique, puis ça consiste à remonter un peu la teneur en carbone des sols, puis c'est les sols qui ne le conservent pas. Chez nous, il n'y a pas besoin, on a tellement de carbone dans nos sols, ça ne sert à rien. Au contraire, vous allez les encrasser encore plus, puis ils ont tendance à la conserver. Il faut pas. Mais moi, je dirais, il faut... Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet rétention et... Oh, l'argile le fait 10 fois mieux. Alors, est-ce que vous voyez attention à la mode là, parce que maintenant pas prendre une technique d'Amazonie puis la balancer chez nous. Hein. Nous, ça fait 20, ça va faire presque 30 ans qu'on travaille là-dessus. Enfin, c'est notre le laboratoire et ce qu'on fait. Bon, au début, on a parlé du compost. Après, il y a eu un moment la mode, je vais dire, de la terra preta. Tout le monde nous disait, on veut faire de la terra preta. Pourquoi on fait pas ça et tout. Après, il y a eu le bois raméal fragmenté. Tout le monde veut faire du bois raméal fragmenté. Maintenant, on parle énormément de permaculture, alors que la permaculture, c'est quelque chose qui ne s'adapte pas d'aujourd'hui. Ou d'autres. Il ne faut pas.
En fait, il ne faut pas prendre des trucs parce que ça marche à un endroit, puis ça ne marche pas forcément chez nous. Et la terra preta ne fonctionne pas chez nous. Et le faire des buts comme justement font les permaculteurs. De la fatigue, beaucoup de fatigue. C'est beaucoup de fatigue. La butte, ça se fait en zone sahélienne. La butte, ça se fait en zone sahélienne, dans des milieux où on a des longues périodes sans eau pour retenir de l'eau. Mais chez nous, il faut vraiment avoir envie de se casser les reins. Hein. La butte, c'est le degré zéro de la permaculture. Ouais. C'est un cliché qu'on colle dessus. Mais ça va bien sur certaines eaux sèches d'Australie, du Sahel et tout. C'est valable parce que ça permet de retenir le volume d'eau. Mais d'ailleurs, dans le livre, pas chez nous, c'est fait pour répondre à un problème. Voilà. Le problème, c'est comme les médicaments. Ouais. Pourquoi je ne prends pas des médicaments tous les jours? Je ne sais pas, je n'ai pas de maladie. Ouais, mais tu peux en prendre, c'est jamais. L'autre fois, on était au Maroc, dans la région de Fès, dans une zone. C'était fou. C'était. Ouais, non, mais dis-le, je crois que. L'application de. Là, c'était. Ils utilisaient ce qu'a écrit l'Australien. Bill Mollison. Mollison. Et donc, ils ont fait. Ils étaient au bord d'un lac. Et pour faire de la rétention d'eau, comme en Australie, mais eux en Australie, ils ont défoncé leur sol de façon incroyable en hauteur. Et ils ont fait trois énormes piscines en haut de la colline qui n'arrivent pas à remplir. Voilà, déjà. Donc, et c'était dans les parties les plus plates, donc ils n'ont plus de parties plates pour cultiver, mais en fait leur bible c'était cette manière de faire. Et on leur a dit, vous n'êtes pas vraiment dans ce cas de figure, vous êtes au bord d'un lac. De l'eau, vous en avez, quoi. Il pleut 700 mm d'eau par an, et tous leurs oliviers sont en train de mourir, parce que comme ils ont mis l'eau au-dessus, l'eau descend dans les racines d'olivier et les fait crever. Et c'est exemple typique d'une application d'une méthode qui fonctionne bien à 250 mm d'eau en Australie, définie par Mollison, mais surtout pas à Fès, où il tombe 700 mm d'eau. Vous voyez, faire attention. Par exemple, là, juste à l'œil, vous oubliez la notion de couleur, la différence de couleur entre là et là. Qu'est-ce que vous voyez à l'œil qui vous montre, qui est très très différent entre ici et là? C'est lisse en haut. Quelle grosse différence qui se voit très très bien à l'œil comme ça, même si vous n'avez pas de lunettes, qu'on voit quand même très très bien. Il y a plus de trous, c'est moins grand. Voilà, il y a énormément de trous ici, et il n'y a pas un trou ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes grands vers de terre, au lieu de faire leur boulot habituel, qui consiste à monter jusqu'en haut pour permettre d'aérer mon sol, de faire rentrer l'eau et la pluie, comme ils ont à bouffer ici, que ici c'est dur, mais ils ne s'emmerdent pas, ils sont comme nous, ils sont paresseux. Ils restent là, peinards, ils redescendent, ils font juste ce petit boulot là. Donc ce qui fait qu'ici c'est toujours fermé. Parce que les vers de terre, ils n'ont pas envie de s'emmerder à grimper en haut. Il y a à bouffer là, je vais m'emmerder. On a fait une étude de vers là, effectivement, ils ont été stupéfaits. Le sol était riche, mais il n'y a pas de vers. Non, il n'y a pas de vers. Moi, c'est la première chose qui nous a frappé avec Lydia quand on est arrivé. Ils ont fait un comptage et ils ont dit, il n'y a rien. C'est bizarre, parce qu'en fait, votre matière organique là, est bloquée. C'est au fond, ils sont au fond, les gros. Ils ont fait un comptage avec le produit pour les faire remonter. La moutarde. Oui, mais bon. Ils ont dû avoir du mal à faire remonter cela. Ben oui, ils ne les ont pas fait remonter parce que la moutarde n'a pas dû descendre non plus. Mais c'est incroyable parce que quand vous regardez, quand on était loin, là, j'ai dit à Claude, regarde. Il y a pas mal de. Parce que quand on regarde le nombre de galeries, ça bosse bien. On a une galerie. Ça, les trous là, on peut presque mettre un petit doigt dedans. Si on les compte, on va dire que là, on a quand même pas mal de vers de terre. Il y a deux à trois galeries tous les 20 cm. Tous les 20 cm. Donc, là, il n'y en a pas. Donc ils restent en bas. Et ils n'aèrent pas. Ils n'aèrent pas ils font pas leur boulot. Parce que ici c'est fermé, puis ils ont assez à manger ici, ils n'ont pas besoin de s'emmerder. Parce que quand ils grimpent là-haut, il y a les merles qui les attendent, il y a les corbeaux, les corneilles et compagnie. Ils préfèrent rester peinards au fond, on ne les emmerde pas là. Personne ne vient les chercher, il n'y a que la bécasse qui arrivera à envoyer le bec jusque-là. Et encore, elle aura du mal à les renifler. Il faut réveiller ça. Votre boulot, ça va être ça. Alors, sur vos arbres fruitiers, ce que vous pouvez faire, tout ce qui va être vigne, arbres fruitiers, faites ce qu'on appelle l'eau d'enduit. Donc, faites un mélange argile, lacto, un pralin avec du lacto, du petit lait,
de l'argile et du compost de bouse. Et vous mettez ça sur vos troncs et tout pour... Parce que là ils souffrent. Ouais, sur les troncs, là, ils souffrent, hein, les arbres, hein, dans un milieu comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez des espèces de milieux qui adorent les milieux humides, vous voyez, les érables, tout ça, ouais. Ils adorent les milieux un peu trempés, un peu hydromorphes, eux, ça les gêne pas. Hein, mais vous n'avez pas les espèces de milieux très, très aérés, on voit très peu de cornouillers, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de cornouillers. Les cornouillers sanguins, cornouillers mâles, on ne voit pas. On est vraiment dans des espèces de milieux plutôt bord de rivière, humides. Et ça, il faut réveiller ce coin-là. Dans les zones déséquilibres qu'on observe, mais on n'est pas les seuls, il y a eu beaucoup de limaces. Et est-ce que c'est parce que les prédateurs des œufs de limaces ne sont pas dans le sol? Est-ce que c'est lié à ce que vous observez là, Cette année a été une année à limaces. Hein. C'est une catastrophe. Ça, ouais, ça a été une année à limaces. Et puis, c'est vrai que les carabes ont beaucoup souffert. Oui, l'hiver passé qui a fait, puis elles ont fait des pontes magnifiques. Et puis les carabes, le temps que les carabes, eux, rattrapent les limaces, bon, bah, elles ont pullulé, quoi. Bon, vous savez, avec les petites bouteilles remplies de bière, ça, on en bouffe, hein, on en tue, hein, quand même. Hein. C'est pas ici, non. Non, elles ont été plus rapides que... Non, là, c'était on aurait dû des barils de... Ah non, mais nous, attends... Non, mais la mauvaise bière, pas chère, quoi. Hein. Ah non, ouais. Mais nous, attends, on en a eu des limaces. C'est incroyable. C'est incroyable, cette année. J'ai un jardin en permaculture, loin, là, où c'était aussi blindé de limaces, notamment chez les voisins. On faisait que de la limace, d'ailleurs. Hein. Très peu de limaces pendant des années. Et là, j'ai rien eu. J'ai eu un verre de limace pour tout le jardin. Donc, ça veut dire que les carabes se sont installés. En fait, il y a deux choses. Hein. Je suis obligé de m'attraquer chaque fois en permaculture. Les limaces ne sont pas un problème. Pourquoi? Parce qu'elles ont à nourrir et ce qu'elles mangent, on ne mange pas. Ouais. Comme 75% des végétaux sont des perpétuels, elles mangent les feuilles basses qui tombent, qui sont semi en décomposition. Donc elles vont de préférence là-dessus, elles mangent que ça. Non, ça, c'est les détritivores. Et les belles feuilles, ben, c'est comme par hasard les seules qui nous intéressent. Donc avec le temps, vous ne voyez que les belles choses. Les choses qui sont en dessous, vous ne les voyez pas, ça tombe. Hein. Quand on le voit, les plantes blessées, si maintenant on a arraché les feuilles de côté, par exemple, je ne sais pas moi, n'importe quoi, et qu'on les met exprès à côté, elles vont venir dessus directement. Je dégage régulièrement des... Parce que bon, ça se remplit, hein, vous le voyez dans les serres qui commencent à se remplir, ça fait même pas un an. Donc on dégage énormément de légumes parce qu'il y en a trop, on les met dans les allées, on marche dessus, et elles sont là-dedans, les limaces. Donc je ne sais pas où elles sont, mais elles ne sont pas sur les légumes. Je le dis et je le redis dans chaque fois. Au bout d'un moment, vous favorisez aussi les espèces détritivores qui sont souvent carnassières, comme la léopard et l'orange, qui mangent les autres limaces, bouffent les œufs. Donc après, ça fait un équilibre. Il faut juste donner 2-3 années au système pour s'installer et vous n'avez plus de problème. J'en ai partout, mais elles ne me dérangent pas. En permaculture, les limaces, moi je le dis, au moins en Alsace, dans d'autres sites différents, ce n'est pas un problème. Ouais, c'est une nourriture qu'on ne mange pas. Vous laissez les déchets, elles les mangent. Et après, vous leur marchez dessus, comme par hasard, c'est dans les allées. Bah, c'est ça. Et une fois que c'est complètement décomposé, je leur mets de nouveau. Quoi. Ouais. Elles viennent remplacer l'odeur de mort qu'il n'y a plus. C'est un truc qu'elles font souvent quand tu tues des limaces. Il y en a d'autres qui vont venir justement pour mettre de la vie là où il y a eu la mort. Il y a les bouffées. Dans mon jardin, il n'y a pas que des limaces. Ça se bouffe entre elles. Il y a tellement d'espèces. C'est riche, hein, les espèces de limaces. Hein. On pense toujours qu'elles sont toutes mangeuses de feuilles. C'est pas vrai, il y a des carnassières. Nous, d'habitude, on n'a pas d'ennui avec les limaces. Mais nous, cette année, elles se sont régalées quand même des feuilles de salade. Alors que d'autres les tomates, années... Elles n'ont rien fait. Les oignons, elles n'ont rien fait. D'autres années, on n'a pas de soucis. C'est la salade qui a souffert. Pareil. Mais nous, cette année, là, Là, ça a quand même été dur. On a eu tellement d'années de sécheresse. Là, je regarde les choux, il y en a pas mal qui sont touchés. Là, hein. Oui, non, là c'est pas établi, hein. C'est la première année. Hein. Ah, c'est la première année. Donc, moi, je dis avant 3 ans, pas de commentaires. Après 3 ans, vous faites vos commentaires, mais pendant 3 ans, on laisse faire, on essaie de. Et nous, notre jardin, il est plus vieux que ça, mais bon, cette année, peut-être que. Non, cette année, on a eu des problèmes avec les limaces. Alors que les autres années, bon, les gens s'en plaignent. Nous, on dit un peu comme vous, bon, on enlève les 2-3 feuilles de salade en bas et tout, qui sont pas belles. Là, cette année, elles se sont... Non, on n'en a pas eu beaucoup de salade. Hein. Bon, ben voilà, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est une année comme ça, c'est tout. Oui, c'est une année. C'est pas un grand millésime pour la salade. Par contre, ça a été... Le risque, c'est bon que l'année prochaine, les gens se disent, on a eu des limaces, on fout plein de produits. Non, c'est pas la peine. Non, les carabes, non, là. On a rien les fait, carabes, non. Ils ont eu à bouffer cette année. Hein. Ils vont se régaler. Là, on les a pas tués, mais il y en avait... sur le pas que dans le jardin, il y en avait qui se baladaient sur la terrasse, enfin pas le chemin pour aller au laboratoire, il y avait des limaces partout. Je pense que les hérissons ont dû faire des belles portées cette année. Ouais. Les hérissons, là, ils ont dû accrouter, à mon avis, les femelles, elles ont dû en faire 5-6 petits, là, histoire de rattraper le temps perdu. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais une question qui ne concerne pas les sols argileux, mais
peut-être venu pour ça, alors est-ce que je peux? Bien sûr. On ne peut pas dire que c'est un sol. Bon, on a les Vosges tout près, donc on est assez nombreux à avoir des jardins dans les Vosges. Et notre problème, c'est de ne pas avoir justement une terre aussi profonde. Il nous serait impossible de creuser comme ça, parce qu'on est tout de suite sur la roche. Alors, c'est pour ça que je parlais du BRF. Parce que d'accord, si vous n'êtes pas dans un cas de figure comme ça, effectivement. Et alors le blé sur de la roche, est-ce que ça va pas justement... Vous êtes sur les grès des Vosges, ou vous êtes sur des schistes, sur des granites, vous êtes sur quoi? C'est très différent. C'est-à-dire que normalement, les sols où il y a la roche pas loin, c'est pas des sols à maraîchage, point de vue de question. Parce que quand même, si vous êtes superficiel, si vous avez que ça de sol et puis la roche dessous, carottes, elles n'aiment pas. C'est comme ça chez moi aussi, j'ai les schistes en dessous. Ouais. Donc là, il faut travailler. Ça, c'est, faut travailler là, il faut travailler beaucoup. Sur butte, effectivement, pour remonter l'épaisseur du sol. Là, par contre, la butte... C'est une autre problématique. Voilà. C'est pour remonter la profondeur du sol. Vous avez fait des buttes. Parce que vous augmentez votre profondeur de sol. Et à ce moment-là, vous faites des légumes. Ah oui, c'est cas par cas. Les terres argileuses ne sont pas des terres pour maraîchage, il faut les amender avec du sable. Les terres sableuses ne sont pas faites pour le maraîchage, il faut les amender avec de l'argile. La terre de maraîchage, c'est la terre la plus humanisée qui existe. C'est la plus sophistiquée, la plus travaillée par l'homme. Donc l'homme l'adapte à ses besoins. Quand on a un sol argileux, limoneux, on fait comment pour l'améliorer? Sur 3, 4, 5 mètres, j'en suis sûr. Argile et limon? Ça dépend quel teneur d'argile. Vous connaissez. 80%, je pense. 80% d'argile, là, c'est pas argilo-limoneux, là, c'est argileux. Là, c'est pas drôle. Vous avez 80% d'argile. Alors, il y a aussi autre chose, c'est quel type d'argile vous avez. Parce que là, on parle... Alors là, on va rentrer beaucoup plus dans la science, et ça, c'est peut-être quelque chose, nous, on a mis le point de là-dessus, depuis qu'on travaille, c'est que un sol, quand... dans les analyses, on vous dit que votre sol, il a une capacité d'échange en cation, la CEC, qui a une certaine valeur, ça peut être 25, peut être 30. Et cette capacité d'échange en cation, donc c'est la capacité au sol d'échanger, ce que je vous ai dit, les éléments à la plante. Et cette capacité, elle est faite par deux choses, les argiles et la matière organique. La matière organique a une capacité d'échange en cation, et les argiles aussi. En fait, les limons n'en ont pas. Les limons, c'est plus la structure, le sable, pareil, c'est pour la structure. Mais pour nourrir votre plante, vous avez besoin d'argile et de matière organique. Quand vous faites une analyse de sol, on vous donne votre granulométrie. Donc vous venez de dire, moi j'ai peut-être 60%, ici on dit 30%, dans d'autres sols on va dire 10%. Et là, pour les gens, on s'arrête là-dessus. Or, les argiles, elles sont particulières. Elles ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où vous êtes. Les argiles, elles sont constituées comme un livre, comme un cahier. Elles sont en feuillet. Et pas les colloïdes. C'est le même principe de feuillet. Oui, mais il y a des colloïdes qui ne sont pas en feuillet. Un colloïde, c'est une substance qui a des charges électriques et qui rentre en suspension dans l'eau. Qui sont en suspension dans l'eau. Mais ça peut ne pas être en feuillet. Vous pouvez avoir des colloïdes sphériques, etc. Donc, dans le cas des... effectivement, colloïdes négatifs. Dans le cas des argiles, c'est comme un feuillet. Les feuillets, et entre les feuillets, c'est votre capacité d'échange en cation. Et le monde fait que les argiles, elles sont différentes. Vous avez des argiles qui ont beaucoup de feuillets et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Les kaolinites, qui sont utilisés par les potiers pour ne pas fissurer, quand vous prenez un gramme d'argile, vous recouvrez 30 mètres carrés. Puis vous avez des argiles, les montmorillonites, avec 1 gramme, vous recouvrez 800 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'il y en a une, celles les montmorillonites, elles vont vous donner une capacité d'échange en cation à 40, 50, parce que, elles ont la possibilité de donner énormément de choses. Et le sol, il faut que votre matière organique donne, quand vous avez une CEC à 30, eh bien il y a 15 pour l'argile et puis 15 pour la matière organique. Donc quand vous avez des argiles à grande surface interne, il faut que vous ayez énormément de compost, beaucoup plus en pourcentage du compost, et surtout un compost d'une très grande qualité qui donne la même CEC. Donc dans les amendements, quand vous faites une analyse classique, on vous dit vous avez tant d'argile, on ne rentre absolument pas ça dedans. Alors il y a certains endroits, par exemple en Bretagne, on a des argiles à très faible surface interne,
Par contre, des grandes teneurs en argile. Et là, pour l'agriculteur, et peut-être pour vous, si vous avez 50 ou 60%, si en plus vous avez une argile qui a une faible surface interne, eh bien, vous n'êtes pas verni, entre guillemets. Il vaut mieux que vous ayez que 20% ou 30% d'argile avec des argiles à 800 mètres carrés parce que ça va être plus facile à travailler, il y aura plus de capacité d'échange en cation. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et alors comment on sait quel type d'argile on a? Par une mesure au laboratoire. Il faut que ça soit mesuré. Ce qu'on appelle la surface spécifique des argiles. Donc on mesure si elles sont 130 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 800 mètres carrés. Ça se mesure au laboratoire. Comment? Quelles sont les conséquences? C'est ce que vous avez dit, Lydia. Plus les argiles sont bonnes, moins vous en avez besoin pour bien nourrir vos plants. Et vous, moins vous aurez à. Vous mettrez moins de vous mettrez moins de compost. Vaut mieux être breton avec 20% de montmorillonique dans les sols que d'être breton avec 50% de colline. C'est bien connu, la Beauce c'est plus fertile que la Bretagne. Ça, vous n'y pouvez rien. Hein. La difficulté de prendre l'indicateur CEC par point d'argile. Il existe une corrélation linéaire entre surface spécifique et capacité d'échange. Donc en mesurant la surface spécifique, vous connaissez la CEC de vos argiles. Comme au laboratoire, nous mesurons la CEC du sol. Il suffit de faire CEC du sol moins CEC d'argile calculé par la surface interne. Et ça vous permet de connaître la CEC de votre matière organique. Par exemple, ici, je pense qu'on a une matière organique qui a une très très faible CEC. Et vous êtes sur une matière organique de type fossile, complètement bloquée, qui à mon avis libère extrêmement peu de capacité d'échange. Donc il ne faut pas croire que cette matière organique va être fabuleuse, au contraire elle est en train de se bloquer. Tout le travail par contre, si vous la réveillez, c'est-à-dire que vous mettez des racines et tout, là le risque que vous avez c'est que ça risque de booster les plantes assez fort. Et il faudra quand même, les années où vous allez remettre ça debout, il faudra quand même prendre des plantes assez gourmandes, des épinards, des salades, des plantes qui... Des courges, des choses qui consomment beaucoup, parce que c'est quand vous allez commencer à aérer ce milieu-là, ça va cracher de la nourriture à fond. Quoi. Là, pour le moment, c'est un peu bloqué, mais quand vous allez libérer, ça va partir, là. Ça risque de favoriser les poussins derrière. Ah oui, ça c'est le risque, ouais. C'est le risque. Ah oui, quand on a trop... C'est pour ça que c'est bien de prendre le blé. Quand on fertilise de trop, effectivement, on a des pucerons. Hein. Alors là, bon, ça sera relargué moins vite que si vous mettez un azote en solution, si vous gavez la plante avec de l'azote. Et c'est le problème de beaucoup de gens qui disent mes rosiers ou mes légumes sont bourrés de pucerons, ben parce que c'est trop fertilisé et parce que ce système-là va fragiliser les membranes. Plus vous allez mettre de nitrate, plus vous allez gorger d'eau par un phénomène chimique. En fait, la plante, pour lutter contre ce trop d'azote, en fait, va se charger en eau, elle va devenir, on appelle ça, c'est la molécule de la turgescence. Donc en fait, vous avez des légumes qui sont très très gros, mais en qualité intrinsèque, ben, c'est de l'eau, et la membrane est plus fragile, les pucerons attaquent plus, et puis vous êtes obligé de mettre plus de produits, et puis bon, voilà, puis ça, c'est le cercle infernal de l'agriculture. Non, mais bon, la ville de Strasbourg, une fois que vous aurez réveillé ça, c'est un très très bon sol, hein. Elle vous a laissé un bon terrain, là. Souvent les villes laissent des terrains. Les anciens marais qui disaient il y a ici toute une partie, alors au berceau, il y a. Ça a été drainé autrefois. Qui nourrissait tout Strasbourg. Ouais. Mais surtout à la Roberto en fait. D'accord. Donc ça a été drainé et tout pour pouvoir. Après ils ont tout construit partout et il ne reste plus que. Non, c'est vrai que c'est. Comme partout. Comme partout, toutes les ceintures maraîchères des villes disparaissent. C'est le jour où il y aura. On imaginerait la guerre de 40 maintenant, il n'y a pas besoin de tirer sur les Français, ils mourraient de faim tout simplement, vous en feriez beaucoup plus de morts qu'avec des canons, simplement il n'y a plus rien à bouffer autour des villes. Hein. Parisien qui part à vélo pour chercher un lapin, un poulet, et puis il peut pédaler longtemps le mec. Hein. Il a le temps de crever de faim avant d'arriver. Hein. Alors qu'autrefois il partait à vélo avec des tissus sur l'arrière du vélo, il échangeait le tissu contre des poulets, bon il s'en sortait complètement. On a détruit toutes nos ceintures. Moi, j'ai vu, gamin, en 60, j'ai vu les maraîchers quitter là. Parce que le bassin parisien, c'est des assiettes hein, géologiques. Et les plus belles bordures, c'est évidemment les bordures plein sud, hein, Palaiseau et tous ces coins-là. Et c'est là qu'il y avait les maraîchers qui avaient fait du maraîchage pendant 1000 ans. Ouais, ils sont tous blanchards. Ouais, mais c'est des alouettes de Beaufort, c'est un milieu humide quand même. Et les gars, en 60, ils sont partis avec leurs terres pour s'installer sur la pente suivante qui est étante. Et puis en 80, la ville est arrivée sur Étampes, les gars ils sont barrés, mais là ils ont laissé la terre. Hein. Une terre qui avait 1000 ans d'âge d'amélioration par l'homme. Et comme vous avez vu, donc, ceux qui connaissent
l'atelier où j'habite là, c'était les fermes qui avaient leur terre ici. Donc la rue Martin-Cusser, c'était une rue quasiment que de fermes, il n'en reste plus que 4, et les terres des fermes c'était celles-là. D'accord. Et quand on a acheté, un an avant, il y avait encore des anciens ouvriers agricoles qui habitaient dans le bâtiment. D'accord. Et donc ouais. il y avait une vie agricole. Oui, c'était des retraités, ils étaient là, ils disaient ouais, non, nous on a tout habité là, on travaillait à la ferme et nos terres c'était là. Donc d'accord. Cette histoire n'est pas si récente, hein. Elle s'est terminée un an avant que j'arrive. Mais ça y est, la ville de Strasbourg, il la protégée, ne sera pas construit ici. Ça, c'était une zone non édificante de toute façon. D'accord. Et ils ont l'obligation de garder des ceintures vertes comme ça. C'est d'accord. Pour ça, entre autres, qu'ils ont fait, si j'ai bien compris, le PNU et qu'on a été retenu. D'accord. Que sinon, ça, on n'existait pas. Quoi. Ouais. Parc naturel. Le parc naturel urbain. Hein. Parc naturel urbain. PNU. Vous n'êtes pas PLU, plan local d'urbanisme, vous êtes en PNU. Ouais. Ah, vous avez avancé dans l'alphabet. Hein. Non mais c'est bien que cette zone soit protégée. Oui, et puis en plus, bon, à côté, une zone maraîchère, parce qu'on voit quand même des fois des... Avant on appelait ça les jardins ouvriers, mais on voit... Nous, à Dijon, il y avait toute une zone au niveau de la... à l'est de Dijon, qui était des jardins ouvriers. Et moi, je me souviens, quand je travaillais à l'INRA, ces jardins, c'était pas du tout... On n'était pas en période de crise, ça allait encore bien, donc ces jardins ont été abandonnés. Et comme il a fallu faire la ceinture, il a fallu faire l'autoroute, eh bien en fait on a pris sur ces jardins où on devait veiller, alors que la ville n'aurait jamais dû prendre ces terres-là. Elles étaient... Et puis là, il y a une demande, les gens veulent redemander des jardins ouvriers, mais... il y a l'autoroute, il y a la rocade, il y a l'INRA, il y a les facs... Donc en fait, ils ont cherché d'autres terres, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est nettement moins bien que ce qu'il y avait avant. Hein. Nous, on savait qu'il n'y avait pas, ça se produirait pas une opportunité comme ça. Ah, oui. Bon, à propos des jardins potagers en ville, il y a la permaculture et puis il y a le concept de jardin familial normal. Ouais. Le jardin familial normal, revenez dans 2 mois, c'est le désert. C'est-à-dire les terres sont improductives et retournées. Ouais. Donc si vous venez dans mon jardin ou dans celui-là dans 2 ans, c'est pas le même paysage, hein. C'est couverture totale, il n'y a pas un trou. Et, c'est tout, hein. C'est vert et productif tout le temps. C'est pas les mêmes concepts. Hein. Autrefois, j'étais gosse, c'était un petit peu ça aussi. Hein. Maintenant, je sais pas ce qu'ils font, mais ça les amuse pas, on va dire, l'hiver, donc ils y vont pas au jardin. Donc du coup, il est abandonné. Il est retourné, désherbé, abandonné. Donc c'est pas du tout un concept soutenable pour moi. C'est pas... Là, on a été appelé par la ville de Nanterre, ils ont pareil, hein, ils ont bétonné leur jardin ouvrier, puis là, il y a une demande. Alors, ils nous ont montré sur quoi ils espéraient pouvoir installer des gens. Les taux de métaux lourds sont tellement hallucinants qu'ils vont tuer leur population, c'est tout ce qu'ils vont faire. Hein. Parce qu'il y a une autoroute qui passe à droite, une autre qui passe par-dessus, une autre qui... Il faut substituer toutes les terres. Hein. Dans la permaculture, en fait, la notion que ça soit toujours couvert ou par ce qu'on consomme ou par une végétation naturelle ou par une céréale, en fait, c'est le sol, il demande que ça. Pourquoi il faut pousser ça? C'est pour se défendre du soleil, de la pluie, faire vivre la faune, garder la matière organique. C'est pas la notion de mauvaise herbe, en fait. La nature le fait de façon pour se défendre, comme nous, on se couvre. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire comprendre. Hein. De toute façon, vous voulez expliquer avec vos mots, parce que vous êtes scientifique. Moi, je suis, comme on dit, bottom-up. C'est-à-dire, notre problématique familiale, hein, je fais pas l'histoire ici du jardin, c'était simplement de se nourrir, c'est tout. Et venant d'Allemagne, c'était bio, point terminé. Et donc, on n'avait pas de force vive. Le seul homme, c'était moi, j'étais grand comme ça. Et donc, il fallait faire un jardin, et donc, pas de moyens. Donc, c'est pour ça qu'on s'est présenté à la permaculture. Et je sais pas ce que je veux dire avec ça. Mais vous l'expliquez pas avec des mots scientifiques, voilà. Oui, moi ce que je dis toujours avec mes mots, la même chose, c'était que quand vous êtes chez le médecin, que vous avez des enfants, et que vous dites toujours le médecin qu'il faut expliquer aux enfants de ne pas gratter les croûtes. Et c'est pareil, moi j'explique aux gens quand on me demande mais ça vous dérange pas, bon, la cisanie, enfin bon, c'est pas un paysage vraiment, quand on dit regardez notre réussite, la plupart des gens, qu'est-ce que c'est que ça? On nous a dit dernièrement, moi à mon époque, on vous aurait viré, on n'aurait jamais laissé faire ça, c'est rigolo. Quoi. Donc la lecture du paysage n'est pas la même en fonction. Mais pour les croûtes, pour la pose, je dis aux gens, laissez les mauvaises herbes, c'est comme la croûte. Si le tissu végétal s'installe, c'est que ça protège quelque chose, ça met en place les deuxième, troisième, quatrième génération de cultures qui vont venir. Mais laissez faire. Si ça ne vous plaît pas, regardez ailleurs, revenez quand vous serez calmé. Mais on n'enlève pas les croûtes sur les plaies.
les médecins vous le disent, vous avez de plus en plus de problèmes. La croûte protège la petite peau qui se met en place. Bien sûr. Et c'est exactement pareil, quoi. Donc sans le concept, sans le, on va dire, le bagage scientifique ni le vocabulaire, moi j'explique ça d'une autre manière, quoi. Mais n'empêche que là, j'ai encore eu la semaine dernière un courrier de la ville de Strasbourg. Bêchez s'il vous plaît votre, votre jardin. Enlevez vos herbes, bêchez s'il vous plaît. C'est dans le règlement, quoi. Et je sais pas comment leur Les Chinois n'ont pas de. Les Chinois n'ont pas le terme mauvaise herbe. Les Chinois, ils disent simplement c'est une plante, on ne sait pas encore à quoi elle sert. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion négative sur la plante. Ils disent oh, celle-là, on ne sait pas encore à quoi elle sert. Oui, ils disent oh, celle-là, on ne sait pas encore à quoi elle sert. Mais oui, mais là, dans notre équipe, je vous l'avais dit avant, on a de la chance, on a quelques durs à cuire qui ont trouvé des recettes pour tout ce qu'on avait. Il n'y a qu'une plante qu'on n'a pas mangée, je crois que c'est le lison. Mais tout le reste a été l'immense majorité des plantes sont comme plus ou moins bonnes, mais... Je me suis même fait engueuler par des gens. Canada, quand même, je me suis même fait engueuler par des gens parce que je demandais à désherber les allées, et puis il y a des gens qui m'ont dit tu désherbes pas les allées, tu désherbes pas ça, parce que tout se mangeait. Allez, Rigéron du Canada, donnez-moi la recette. Ah non, ça, mais c'est une belle plante tutoriale. Oui, mais par contre, à manger. Les gérisons, nous, les gamins, avant, on a plein là. Non, mais comme teinturière, c'est pas mal. Oui, mais au départ, elle a été apportée parce que normalement, elle n'est pas du tout de chez nous. Et alors ? Elle est coupable de ne pas être de chez nous. Non, mais. Elle est devenue un peu invasive. Elle est devenue invasive dans certains endroits. Mais au Vietnam, ils vous servent en entrée dans le repas, ils vous servent les mauvaises herbes de la riziculture. Ouais. On a droit à une salade de mauvaises herbes. Quoi. Parce que nous, on appellerait des mauvaises herbes, mais qu'eux, ils appellent la salade. C'est les plantes qui travaillent le sol, c'est pas nous. Ouais. Donc, il faut les laisser pousser. C'est pour ça que je voulais pas qu'on coupe les plantes de l'allée, parce que finalement, là où ça poussait le mieux, c'était dans l'allée. Ailleurs, on avait paillé, donc ça poussait pas. Il faut dire que c'est Fifi qui a semé l'engrais vert au début. Quoi. Vous parliez de céréales, on avait céréales. Vesse, trèfle. Même du sarrasin qui a fini par. Oui, on voit qu'il y a du sarrasin là. Si l'état est là comme ça, on a fait ça depuis longtemps. Quoi. Enfin, bon. Tu peux l'enlever. Oui, on le voit, il y a des zones. Tu veux pas enlever ton engrais de salade. Le trèfle, en fait, il est très bien implanté là. Ouais, mais c'est un peu depuis peu. Hein. Mais en fait, il faut avoir le courage de dire que ce que les gens achètent dans le magasin, c'est des saloperies. La laitue, c'est une planche sauvage. Ah oui, bien sûr. La chicorée, c'est une planche sauvage. On a juste les formes originales. Le radis. Carottes, c'est ça. Mais toutes les plantes. Les gens, ils se rendent pas compte que ce qu'ils mangent, c'est que des mauvaises. Que des mauvaises. Le panais, c'était une ancienne carotte sauvage. Ils ont ça partout. Quoi. C'est ce qu'ils demandent d'arracher. Seulement la forme originale, ils la reconnaissent pas. La forme a évolué. Il faudra mettre un code barre dessus. Et du coup, ah ouais. Tu leur dis, tu veux pas enlever ton engrais vert, c'est tout. Je vais voir ça avec eux. Non, mais là on est face à des problèmes de changement de mentalité face à la planète. C'est la notion de nuisible, de mauvaises herbes, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez en Afrique, ils ont une classification animale qui est très différente de la nôtre. C'est petite viande, grosse viande, c'est ce qui se mange. Petite viande, ça se mange pas. Donc c'est pas compliqué comme la classification de Linné avec les mammifères. Non, grosse viande, petite viande, voilà, c'est clair. Mais il n'y a pas d'a priori. Du moment que c'est de la grosse viande, ça se mange. Et puis voilà, on ne va pas porter un jugement. Oh, on va porter un jugement parce qu'il est gros. Parce qu'il n'est pas le même que celui d'à côté, on le mange. Et puis voilà. Après, c'est l'attitude face au. Mais là, ici, il est encore temps de semer le blé, du coup, pour cette année. Oui, vous pouvez encore, ça commence à être un peu limite, mais ils ont jusqu'au 15 octobre, il n'y a pas de problème. On ne peut pas la voler, on se met à la voler. Ouais. Le blé, tu veux beaucoup plus tard que ça. Là, on est en Alsace, hein, on est quand même très à l'est. On va quand même. On peut peut-être essayer encore jusqu'en novembre, mais... Dans votre jardin, si vous, parce que vous allez... Le problème, c'est que vous ne voulez pas faire de la graine de blé. Si vous vouliez faire la graine de blé, vous pourriez le planter jusqu'à début novembre. Mais vous, ce que vous voulez, c'est quand même qu'il vous fasse de la végétation avant que vous reveniez avec votre planche. Donc, plus vous attendez, plus il va mettre de temps. Quand il va sortir de printemps, il va être haut comme ça. Il n'aura pas un effet très mulche, si vous voulez, sur vos cultures. C'est plus cet aspect-là. Hein. Si c'était pour produire, après, vous pouvez le laisser monter en graine. Et moi, j'avais aussi une question. Je suis aussi dans les Vosges, mais moi, j'ai pas de roche, elle est assez basse la roche, donc c'est assez acide, sablonneux, argileux, sablonneux, mais il n'y a pas beaucoup de humus. Donc à part l'amendement et l'engrais vert, c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes sur des sables, de grès, ce qu'on appelle les grès des Vosges, qui libèrent des sables sableux, là c'est sûr que là vous êtes obligé d'amender avec de l'argile, marner. Que les anciens appelaient les marnes. Donc on apportait, pour les sols acides comme le vôtre, on apportait des argiles calcaires, ce qu'on appelle les marnes en géologie. Non, pas cholet. Cholet, c'est de la chaux. Marner, c'est apporter des argiles calcaires.
D'ailleurs, du coup, c'est des argiles qui viennent d'ailleurs, pas des Vosges, parce que si ah oui, ils viennent d'ailleurs. Enfin, c'est juste pour être sûr de. Ah oui, oui, ça vous en trouverez pas dans les Vosges. Il faut que vous alliez sur la partie qui regarde Colmar ou qui regarde c'est là où les calcaires. Les calcaires, tout ça. Et d'ailleurs, on voit comment le mot a glissé, parce que quelqu'un a dit, bah, c'est chaudé. Et en fait, le marnage, c'était pas du chaudage. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, j'ai marné, mais en fait, ils ont mis que de la chaux. Et ils ont mis que du calcium. En fait, ils n'apportent pas cette dimension de l'argile dans un sol qui va être trop sableux, la dimension d'apporter. Bon, l'argile qui va refaire une capacité d'échange en cation. Et c'est incroyable comment ça a glissé. Parce que les gens disent, oui, j'ai chaulé. Oui, on dit marné, oui, ils nous disent, oui, je l'ai fait, j'ai chaulé. C'était pas la même chose des anciens. Ils apportaient et le calcium et l'argile. Mais on a quand même de l'argile. Enfin, quand on fait une... Enfin, avant de faire un terrassement, là, des fois, ils demandent une étude de sol. Alors, moi, j'y comprends rien. Mais ils disaient, à certains endroits, c'était sablonneux, argileux. Et d'autres fois, argileux, sablonneux. C'est pas la même chose. J'ai compris que c'était pas la même chose. Donc, c'est le premier terme qui domine dans la granulométrie. Ouais, ouais, argileux, c'est plus argileux que sableux. Et sableux, argileux, c'est plus sableux qu'argileux. Ça veut dire que j'en pas. Il y a des poches d'argile. Hein. Oui, des poches de décomposition qui donnent sens à des argiles. En maraîchage, on aime les terres, ce que je vous dis, la terre franche, la terre qui a un bon équilibre granulométrique. Mmh. Et les hommes, ils ont toujours tendance à transformer leur sol pour qu'il soit plus agréable à travailler, pour sortir les carottes, sortir les légumes racines, parce que quand vous avez 60% d'argile pour sortir les carottes, vous pouvez passer après la brosse à dents pour les, hein, pour les nettoyer, donc vous y passez un petit moment. Hein. Après, vous les cassez, vous les... Bon, vous voyez, c'est pas facile non plus de sortir du légume dans des sols très lourds. C'est pour ça qu'ils recherchaient toujours des sols plus légers. Et on voit ici que c'est plus sableux en haut qu'en bas. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont essayé de plus aérer le sol du dessus. Ils ont dû, bon, on ne connaît pas leur histoire, hein, mais comme c'est des sols maraîchers longs, il faudra avoir des récits de ce qu'ils apportaient. Mais très certainement, ils ont sablé, ils ont fait comme un an. Les sols de maraîchage sont quand même les sols les plus entre guillemets, modifiés par l'homme. Puis c'est quand même, le maraîchage, bon là on rentre dans des choses plus compliquées. Je veux dire, quelqu'un qui va faire des céréales graines, en fait, la graine, quand elle restitue les éléments, quand on arrive à un produit sec, à la graine, le grain de blé, en fait, il a restitué une partie de ces éléments. Donc quand il y avait pas, on n'enlevait pas les pailles, en fait, il y avait une restitution au sol. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter, par exemple, trop de potage. Par contre, le maraîchage, vous sortez la salade est verte, vous sortez énormément de produits en vert. Donc en fait, c'est au moment où la plante en a plein, a pris tout au sol, et donc les maraîchers sont obligés de restituer, puisqu'on, voilà. Et donc les maraîchers ont été dans le monde agricole, c'est eux qui ont eu, c'est pour ça qu'on a des terres noires, c'est eux qui rajoutaient le plus de compost et qui sont obligés d'amender toujours leur sol parce que vous exportez à chaque fois sans arrêt ce qu'il y a dans votre sol, ce que fait pas un céréalier par exemple. Et avant, si donc il y avait tout le fumier de cheval. Voilà, c'est des gros manipulateurs de fumier, les maraîchers. Hein. Ils manient énormément de fumier. Bah, l'automobile les a tués. Hein. Ouais, complètement. Bon, complètement. Il y avait moins de matières premières. Bah, ouais, on avait 10 millions de chevaux, on est tombé à l'heure actuelle, on était à 1 million à peine. Ça fait du fumier en moins. Hein. Donc c'est pour ça que vous parliez de mode, mais il y a aussi ceux qui ramènent donc les végétaux utilisés à la cuisine sur le. Qui font du compost, voilà. On fait un compost direct. Quoi. On est la première civilisation à ne plus ramener. À ne plus ramener ce qui vient de la terre à la terre et à brûler ça dans des centres d'incinération. Mais autrefois, ça n'existait pas. Hein. Autrefois, quand j'étais gamin à Paris, les types arrivaient à la sortie des restaurants, des cantines, ils prenaient toute la bouffe, ils laissaient au cochon, le cochon partait dans la terre, rien n'était perdu. Maintenant, ça va du restaurant directement à l'usine d'incinération. On marche sur la tête. Enfin, je veux dire, on est la première civilisation à détruire nos sols. Hein.